Bonjour à tous. Donc, avant que de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Charles Brazard, je suis maître de conférences en linguistique à l'Université de Nantes et je suis notamment spécialiste du bilinguisme. C'est mon corps de recherche depuis quelques années, beaucoup d'années. Et aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre bilinguisme, biculturalité et identité. Pour commencer, pour vous dire quelques mots, hier soir, je parlais avec ma compagne de cette présentation, qui me disait, ma compagne, qu'il fallait que je trouve une accroche forte pour commencer. Et j'avais songé à parler de notre fils, qui est un petit bilingue en devenir, que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré à Deauville ou à Chantilly. Et là, elle m'a arrêté en me disant que l'anecdote personnelle en ouverture, c'était trop américain. Pour un public français, ça risque de ne pas fonctionner. Et là, on s'est rendu compte qu'on venait de voir s'illustrer en direct devant nous la problématique de la présentation. Nos modes de pensée sont influencés par les réseaux culturels dans lesquels nous grandissons et nous évoluons. Nos cultures façonnent, dans une certaine mesure, nos réflexes et nos attentes. Alors, pour commencer, justement, comme nous sommes français, on définit les termes de la problématique avant de disserter toujours, hein. Donc, le terme culture est polysémique. Il se manifeste de plusieurs façons, dans les règles sociales, les croyances que nous partageons, les valeurs, les traditions et même les comportements les plus quotidiens, les plus banals. Par exemple, quand on se rencontre, est-ce qu'on se serre la main? Est-ce qu'on évite de se toucher? Est-ce qu'on se fait la bise? Si on se fait la bise, combien? Question fondamentale en France, combien de bises? Et encore plus fondamentale, par quel joug est-ce que vous commencez? C'est une question sérieuse, ou du moins c'est une question importante, parce que la culture se manifeste aussi à plusieurs échelles. Ça peut être l'échelle de la nation, l'échelle d'une région, voire l'échelle d'une ville. Si vous vous intéressez au football, vous savez peut-être qu'en Angleterre, la ville de Manchester est divisée entre ceux qui sont Manchester City et ceux qui sont Manchester United. Deux cultures totalement différentes. Ça peut être des cultures au niveau de l'école. Vous avez, de façon très stéréotypique, Oxford et Cambridge qui s'opposent. À Paris, la prépa d'Henri IV contre la prépa Louis-le-Grand, avec leur tradition du vol de sapin de Noël, par exemple. On est dans un réseau très fort de symboles qui nous lient ou nous opposent. Et là-dessus, je vais y revenir. Le sapin de Noël, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un exemple de culture, de manifestation culturelle mineure, ce qui est une manifestation au terme que l'entend Grosjean. Alors, quand il parle de culture majeure et de mineure, il ne faut pas voir un jugement de valeur, mais un jugement d'échelle. On peut avoir des cultures au niveau, encore une fois, de la nation, au niveau de la langue, donc qui transcendent la nation parfois, au niveau religieux. On peut également avoir des cultures mineures, donc qui peuvent être liées au métier, au sport, à vos hobbies. Et donc, non seulement les cultures sont structurantes, mais elles s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, en un sens, nous sommes tous multiculturels. Nous sommes habitués à naviguer dans plusieurs réseaux sémiotiques de traditions, de croyances, de valeurs. Nous sommes des agents culturels. Et nous sommes pris dans des réseaux qui sont à la fois hybrides et dynamiques, et en contexte. Donc des réseaux qui évoluent, que nous faisons évoluer par nos interactions, et dont nous interrogeons en permanence les frontières. Et là où la problématique se pose à nous, c'est que l'hybridation des cultures, l'hybridation des réseaux signifiants, elle peut poser problème à la fois dans son acquisition, et dans sa réception. Je vais vous donner un exemple de ça historique pour commencer. Ce n'est pas une question nouvelle. Vous prenez Rome, carrefour des civilisations de l'Antiquité, profondément multilingue dans sa culture, on y parlait des dizaines de langues, et on a l'habitude de dire que c'était le latin d'un côté et le grec des élytres de l'autre, mais c'est très réducteur. C'est extrêmement réducteur. Il y avait le latin de la romanité, les langues des peuples conquis,
le grec que parlaient non seulement les élites, mais également les esclaves, par exemple, les langues des mercenaires, auxquelles Rome faisait beaucoup appel. Mais donc, le grec occupait la place de choix dans cette pyramide linguistique, puisque c'était la langue de la culture. Et là où ça pose problème, donc dans ce réseau culturel signifiant, c'est que le grec était fortement admiré à cause du modèle de la Grèce avec ses philosophes, ses poètes, son modèle politique. Mais cette admiration, c'est, comme on dit en anglais, une épée à deux côtés. Et de l'autre côté, eh bien, il y avait la crainte, le mépris. Puisque parler grec, c'était en quelque sorte ne pas parler latin, c'était faire un choix. Et ne pas parler latin, c'était considéré, c'était vu comme mépriser le latin et donc renier la romanité. En quelque sorte, la langue devient le fer de lance, l'objet visible de ce qu'est une culture. Prenez Cicéron, le plus grand orateur romain, bilingue, latin et grec. Il avait l'habitude, dans ses lettres privées, de faire un recours au grec tout à fait fréquent. Par contre, en public, il avait également l'habitude de dire que si on mélangeait latin et grec, on était snob. Ce qui vous rappellera peut-être notre rapport à l'anglais en France. Cicéron s'est même vu reprocher un jour de s'être adressé en grec à des Grecs. En d'autres termes, au lieu de choisir le latin pour parler à l'autre, le grec, il avait tourné le dos, il avait renié sa culture latine. C'est un reproche qu'on entend aujourd'hui en France quand, par exemple, Emmanuel Macron choisit de faire des discours en anglais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de son quinquennat, il avait prononcé en Allemagne une allocution en anglais. Ça a eu des répercussions assez négatives. Bon, pas forcément des personnes les mieux à même de parler de la valeur des langues, mais un certain Florian Philippot, avait dit « Il parle en anglais, ça veut dire qu'il ne croit pas en la France. » C'est très intéressant. La langue se confond avec le pays. Alors, c'est une question donc qui va traverser les âges, qui va traverser les sociétés et les océans. Et maintenant, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, 2000 ans après Cicéron, aux États-Unis, terre d'immigration, terre de rencontre des cultures, terre de rencontre des peuples et des langues. Paradoxalement, c'est un pays où la question du biculturalisme et du bilinguisme cristallise un nombre important de crispations identitaires. Prenez le président Roosevelt, 1915, début de la guerre, les États-Unis ne sont pas encore en guerre contre l'Allemagne. Roosevelt dit pourtant « There is no such thing as a hyphenated American who is a good American ». Avec ce hyphen, vous savez peut-être ce qu'on appelle aux États-Unis les hyphenated identities. C'est tout ce qui est African-American, French-American, Asian-American, c'est-à-dire qu'on se définit à la fois par son appartenance à la nation américaine et son appartenance à son origine. Roosevelt, comme beaucoup d'hommes politiques, déclare que ça, c'est impossible. La double allégeance n'est pas soluble dans le creuset américain. On est soit American, soit on ne l'est pas. Et ça, ça a mené à des choses assez intéressantes après l'entrée en guerre des États-Unis, par exemple dans l'Iowa. The Babel Proclamation, signée par le gouverneur de l'époque, je vous ai mis une copie ici, qui dit quatre choses. L'anglais doit être dans l'Iowa la seule langue d'instruction. L'anglais doit être en public, dans les trains et au téléphone, la seule langue d'échange. L'anglais doit être, dans les communications officielles au public, la seule langue utilisée. Donc, de jure, on se retrouve avec une interdiction officielle au niveau de l'État de parler toute autre langue que l'anglais en public. Et le quatrième article précise, s'il y a des gens dans l'État dont la maîtrise de l'anglais n'est pas suffisante pour leur pratique religieuse,
qu'ils la pratiquent chez eux, qu'on ne les entende pas en public. Donc vous avez ici un bilinguisme qui est source de grandes crispations identitaires, et ça ne s'est pas fini avec la guerre. Il a fallu attendre 1923 pour que la Cour suprême fédérale déclare que les citoyens américains avaient un droit constitutionnel de communiquer dans le langage qu'ils choisissaient. Il a fallu attendre 5 ans plus tard quand même. Et le débat continue encore aujourd'hui, avec les mouvements English First, qui veulent faire de l'anglais la langue officielle et la seule langue au niveau des États, voire au niveau fédéral. Et alors dans les années 90, il y a eu un débat au niveau fédéral, justement pour savoir si on pouvait dire que l'anglais serait non plus la langue officielle de facto, mais la langue officielle de jure. Et ça, nous dit Arthur Schlesinger, grand intellectuel de l'époque, prix Pulitzer, conseiller de Kennedy, par ailleurs pourfendeur du multiculturalisme, il nous dit, ce débat, il a achoppé sur une chose très simple, si nous avions adopté l'anglais comme langue officielle, qu'est-ce qu'on aurait fait de notre devise « E pluribus unum » Donc il a chopé sur cette toute petite chose, et comme je le disais, le débat continue encore aujourd'hui avec l'administration Trump. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Le lendemain de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, le site en langue espagnole de la Maison-Blanche a été supprimé, tout comme le compte Twitter officiel de la Maison-Blanche en espagnol. On a, en quelque sorte, invisibilisé la minorité hispanophone des États-Unis. Et quand on dit minorité, entendons-nous bien, c'est la plus grande minorité sur le territoire états-unien aujourd'hui. Alors, si on replace ces questions dans une perspective historique, on pourrait dire qu'on part à la base d'une vision, d'un état de fait un peu babélien. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, on a des entités politiques diverses et isolées qui ont chacune leur pratique culturelle et leur pratique linguistique. Ça se trouve encore aujourd'hui, à certaines échelles, dans certaines communautés. Vous prenez en Irlande, on peut relativement facilement encore dire de quel village vient une personne par ses inflexions linguistiques. Prenez My Fair Lady, le héros peut vous dire de quelle rue de Londres vous venez, rien qu'en vous entendant parler. Le processus de construction des États-nations s'est accompagné d'une unification graduelle, d'une débabélisation linguistique en quelque sorte, et d'une objectification en quelque sorte de la chose langue. Vous prenez l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier en 1539. Elle promeut l'usage du français dans les textes officiels, dans l'administration et le droit. Elle ne fait pas du français la langue officielle du Royaume de France. Elle fait du français la langue dans les textes administratifs et dans le droit. Mais elle fait ça notamment pour renforcer le pouvoir monarchique. Donc encore une fois, on a un objet langue qui devient un artefact culturel. Et ce, d'autant plus 10 ans après, avec la défense de la langue francoise de Dubélé, lequel dit très explicitement, et ça c'est très intéressant quand on le regarde 500 ans après, éclairé par les débats et la place du français telle qu'on la souhaiterait et telle qu'on l'a connue, il dit que le français doit être défendu et qu'on doit montrer que ce n'est ni une langue barbare ni une langue vulgaire. Aujourd'hui, ça peut nous paraître étrange, puisqu'on est habitué à voir le français comme le pinacle de l'évolution linguistique. Évidemment, ceci prend encore une autre dimension un siècle après avec la création de l'Académie française. Et donc le français acquiert une mythologie au sens de Barthes. Il devient un objet culturel, un artefact, et qui plus est, un objet à défendre. Ça, ça va se retrouver encore un siècle après à la Révolution. La Révolution, au début, est multilingue. Elle décide de traduire tous les textes de loi dans tous les idiomes parlés sur le territoire de France. Et puis, en 1994, revirement total, avec notamment le rapport du comité de salut public sur les idiomes de Bertrand Barrère de Vieuxac, lequel disait que les idiomes isolés
et séparer de la grande famille ceux qui les parlaient. Et il ajoute, « Citoyens, la langue d'un peuple libre doit être une et la même pour tous. Dès que les hommes pensent, dès qu'ils peuvent coaliser leurs pensées, l'empire des prêtres, des despotes et des intrigants touche à sa ruine. Donnons donc aux citoyens l'instrument de la pensée unique, l'agent le plus sûr de la révolution, le même langage. » Revirement à 180 degrés. Et quelques mois après, l'abbé Grégoire, dans son rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française, écrit « Ainsi, l'ignorance de la langue compromettrait le bonheur social ou détruirait l'égalité. » Ce qui est exactement ce que disent aujourd'hui notamment les républicains aux États-Unis. Je continue, je cite « Tout ce qu'on vient de dire appelle la conclusion que pour extirper tous les préjugés, développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine politique, il faut identité de langage. » C'est ce qu'on retrouve quelques années plus tard dans le Lingua Gentem Facit. Vous aurez observé que, de façon assez ironique, pour un des pères de la francophonie, c'est un slogan qui est dit en latin. La langue fait le peuple. Donc, les langues et la question de savoir lesquelles parler ou ne pas parler deviennent un sujet fondamental dans les problématiques liées au processus de développement communautaire. Et plus spécifiquement, dans le développement non spontané, mais guidé. Guidé, par exemple, par les gouvernements. Guidé en faisant l'objet d'une réflexion théorique. Ce que fait, par exemple, la délégation générale à langue française aujourd'hui. Donc on a des discours idéologiques qui pointent une incompatibilité théorique, toute théorique, entre la construction de la nation d'un côté et les situations de plurilinguisme de l'autre. On a en quelque sorte une entreprise de déshybridation des identités. La langue, les langues interrogent notre rapport à la citoyenneté, à la communauté. Alors, ça, c'est directement en lien avec les concepts d'identité individuelle comme sociale. C'est une théorie qui a été développée entre autres par Turner et Reynolds en 2010, le concept de l'identité sociale, c'est-à-dire que l'identité est à la fois personnelle, nous sommes tous des individus avec nos propres caractéristiques, mais également sociale. Nous n'existons pas hors la masse des personnes qui nous ont forgés, la masse des croyances, des valeurs, des traditions dans lesquelles nous nous développons. Donc l'identité de toute personne, dans cette théorie, elle est vue comme bipartite. Elle est à la fois personnelle et c'est le fruit des traits qui définissent le groupe ou les groupes dans lesquels vous évoluez. Et ça, ce postulat extrêmement important, il peut être attaché à ce que Anderson appelait la communauté imaginée. Concept dont s'inspirait Cohen en 85 pour proposer un modèle dans lequel il est dit qu'une communauté, c'est le résultat d'une construction. Une communauté n'existe pas. Je vous mets au défi de regarder par la fenêtre et de me dire « Ah, voilà une communauté ». Non, il n'y a pas d'essence de la communauté, c'est une pure construction imaginée, c'est-à-dire qu'elle est le fruit d'une construction intellectuelle partagée. Dans les communautés bilingues, ce répertoire partagé entre les personnes, il comprend non seulement le terreau culturel dans lequel les identités s'enracinent, mais également les deux langues parlées. Les langues qui sont plus que ce qu'elles ne disent. Elles ne sont pas que des médiateurs, elles sont également des objets et des symboles. Au sens vraiment le plus propre du terme, vous savez, le symbolon grec, les deux morceaux d'un petit jeton que l'on met ensemble pour montrer que l'on appartient à la même communauté. Et je vous ai mis ce tableau de Vercingétorix devant César en illustration. Vous savez qu'on parle en France du roman national, c'est une métaphore qui est absolument juste et dont il est absolument important
de voir vraiment le sens. Un roman, c'est une fiction. Un roman n'a rien de réel, ce n'est pas un documentaire. Donc on crée la communauté autour d'éléments fictifs, c'est-à-dire on choisit les éléments sur lesquels on veut se fonder pour faire communauté. Vous savez que nos ancêtres les Gaulois, ce fameux chapitre introductif de notre roman national, il est battu en brèche aujourd'hui. Et après tout, pourquoi pas nos ancêtres les Romains? Pourquoi pas nos ancêtres les Francs? Après tout, nous sommes dans la République française, hein, pas la République gauloise. Donc il faut vraiment garder ça à l'idée. Nous sommes dans une communauté, dans une construction intellectuelle. Et donc, la langue, ou les langues, sont des outils pour construire ces communautés. Rappelez-vous, Reclus, ce qu'il disait, hein, la langue fait le peuple. Alors, qu'est-ce qu'une langue? C'est une des toutes premières choses que nous partageons en tant qu'humains. Je rappelle qu'un enfant commence déjà à entendre les inflexions avant la naissance, les inflexions de ce qui sera sa langue maternelle. Un enfant est bercé dans la langue ou les langues dès le plus jeune âge, mais ça n'exclut pas de se demander ce que c'est qu'une langue. C'est donc quelque chose de puissamment intime, de fondamentalement intime, qu'on apprend dans l'interaction. La langue, c'est l'interaction. C'est le symbole au sens propre. Dans des contextes bien précis. Le foyer, l'école, les clubs, etc. Donc une langue, ce n'est pas une liste de mots et une liste de règles de grammaire. Pas que. Vous pouvez apprendre la traduction de chaque mot de votre langue maternelle, en hongrois par exemple, et de toutes les règles de grammaire du hongrois, vous ne passerez pas forcément aux yeux d'un hongrois pour un locuteur natif. Parce qu'une langue, c'est également une liste de constructions culturelles, une liste de codes, une liste de règles et de contextes d'usage. Et tout ceci, ça émerge en lien avec des pratiques, avec les expériences partagées d'individus qui sont liés par ces pratiques communes. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quelle communauté, les plus grandes comme les plus petites, elles vont très rapidement commencer à développer leur propre version de la langue commune. Vous prenez l'argot des bouchers, l'argot des élèves de prépa, vous prenez l'argot des militaires, etc. Et inversement, qui n'a jamais eu envie d'apprendre une langue parce que c'était la culture qu'elle véhiculait qui l'intéressait? Vous prenez ma génération, génération biberonnée au club Dorothée et au manga japonais. Beaucoup de gens de mon âge ont eu envie d'apprendre le japonais alors qu'ils regardaient les mangas en français. Donc ce n'était pas une envie de langue, c'était une envie de culture. Et pour arriver à cette culture, il fallait ce médiateur qui est la langue. Et donc, la langue n'existe pas en soi, c'est vraiment important, elle est forgée et elle est reforgée en permanence par l'usage de celles et ceux qui les parlent. Vous avez peut-être entendu parler récemment de la question du génie de la langue, du génie de la langue française, notamment à l'occasion des débats qui déchirent la communauté francophone sur la place des anglicismes en français et le langage inclusif. Ça, ces débats, ils sont symptomatiques du fait que le médium linguistique et les mondes qu'il dit se confondent. Il n'y aurait peut-être pas ces débats sur le langage inclusif, sur la place des anglicismes, si la langue était un ensemble d'étiquettes neutres qui permettent de dire universellement et de façon univoque des choses séparées de la culture. Comme un langage mathématique, un langage parfaitement neutre. Non. Non, la langue est gorgée de nos représentations culturelles. Et inévitablement, les transformations culturelles, eh bien, elles révèlent, elles mettent au jour les sédiments laissés par les strates précédentes. Les mots ont une épaisseur. Ça, c'est extrêmement important. Les mots ont une épaisseur. Les mots se sédimentent dans l'usage qui est fait d'eux dans une culture donnée.
Je vous donne un exemple très simple. Il y a des mots qui deviennent tabous. Prenez ce qu'on appelle aux États-Unis « the N-word ». C'est un mot qu'on ne peut plus dire. C'est un mot qui, à la base, à la toute base, étymologiquement, dit simplement une couleur. Mais aujourd'hui, il dit tellement plus que ça. Il dit l'esclavage, il dit le génocide. Il dit des choses extrêmement douloureuses. On a des mots tabous dans toutes les langues, parce que nos cultures se forgent sur... Nos langues, pardon, se forgent sur ces pratiques culturelles qui ne sont pas toujours heureuses. C'est un euphémisme. Donc, là où ça devient important, c'est que nos langues sont associées à des représentations culturelles qui sont plus ou moins conscientes. Plus ou moins conscientes. Et les conscientiser permet justement de montrer à quel point la langue n'est pas neutre. C'est ce qu'on appelle les culturèmes. Un culturème, c'est quelque chose dans la langue qui dit une représentation culturelle. Ça peut être des choses très concrètes. Les proverbes sont des culturèmes. Les métaphores, les métonymies. Si je vous dis place Beauvau, c'est un culturème. Pour un Français, ça veut dire tout de suite le ministère de l'Intérieur. Si je vous dis Foggy Bottom, pour un Américain, c'est également directement lié à une institution gouvernementale. Tout comme dire Downing Street, au lieu de dire la résidence du Premier ministre britannique. Ça peut également être des références culturelles plus larges. Je vais vous donner un exemple. Moi qui enseigne dans un cursus de langue, littérature et culture étrangères et régionales, en l'occurrence en anglais, on dit toujours à nos étudiants et nos étudiantes qui arrivent en première année, pour comprendre l'anglais, la civilisation anglaise et la littérature anglaise, et je devrais dire par ailleurs anglophone et non pas anglaise, il faut connaître la Bible. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion, c'est un culturème. On ne peut pas comprendre Shakespeare, par exemple, si on n'a pas en tête tout ce qui est dit dans la Bible, et encore plus particulièrement la King James, la version qui a fait date dans les traductions de la Bible. Parce que les représentations culturelles anglaises sont intrinsèquement liées à ce pouvoir de la langue biblique qui a profondément modifié la langue anglaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous avez également des représentations donc très stéréotypées qui lient les langues et les peuples. Je vous donne un exemple, les dialectes régionaux. On en parle beaucoup en France. Les dialectes régionaux, c'est-à-dire les dialectes qui ne sont pas considérés comme standards. Si vous ne parlez pas le français standard, c'est-à-dire le français de Paris, qu'est-ce que ça dit de vous ? Des représentations qui peuvent être très stéréotypées, qui peuvent être par ailleurs négatives sans vouloir l'être. On entend parfois, et je ne reprends pas cette représentation à mon compte, je tiens à le rendre très explicite, les accents du sud de la France. On dit parfois que ce sont des accents qui font chanter le soleil, qui font entendre les cigales. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça peut être également des représentations qui sont liées aux langues étrangères. Pour la génération de mes grands-parents, par exemple, pour beaucoup de gens de cette génération, l'allemand, après la guerre, n'était plus la langue d'expression de Goethe ou de Schiller, une langue magnifique, très poétique. Non, c'était une langue qui était devenue intrinsèquement liée au nazisme. C'est quelque chose qui, à mon avis, se retrouve encore aujourd'hui en France. Quand vous dites l'allemand à des Français, on ne pense pas forcément encore au nazisme, mais on pense, oh là là, c'est compliqué, c'est une langue qu'on utilise pour donner des ordres à son berger allemand, il y a des déclinaisons, etc. Alors que on pourrait aussi dire, non, l'allemand, c'est une langue d'une force poétique extrêmement puissante. Donc tout cela est lié à nos représentations culturelles. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Une langue n'est jamais un médium neutre. La langue que vous parlez, c'est un trait fondamental de votre identité. Et votre identité linguistique, en plus d'être personnelle, elle est également sociale. C'est un des premiers marqueurs sociaux. Il suffit que vous prononciez quelques mots pour que je sache à quelle classe sociale, à quelle tranche d'âge, à quel groupe géographique vous appartenez. Et donc,
pour que je vous place dans un faisceau d'appartenance tribale. C'est pour ça qu'il y a tant de débats en France sur pain au chocolat ou chocolatine, sac ou poche. Parce qu'on reconnaît que les gens qui disent chocolatine sont comme nous, mais pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que la langue est un outil de construction de l'éthos, c'est-à-dire l'image qu'on projette de soi. Alors l'éthos passe par de multiples dimensions. La posture physique, par exemple, le choix des vêtements. Aujourd'hui, je me présente à vous en costume-cravate. Je ne me présenterai pas à mes étudiants en cours magistral à la rentrée, comme ça, parce que j'ai envie d'essayer de construire une image de prof un peu plus cool. Ça passe par le volume, la qualité de la voix, mais également et peut-être surtout par les choix linguistiques. Les choix de dialecte, les choix d'accent, le choix de mots, de tournure de phrase, le choix des pronoms même. Un exemple tout simple. Est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Donc l'éthos change en fonction des contextes et des buts à atteindre. Et il va forcément entrer en résonance avec diverses normes culturelles. Alors dans ces normes, il y a une norme qui est peut-être universelle, c'est celle qu'il faut s'efforcer d'éviter de faire perdre la face à ses interlocuteurs. Je ne dis pas que tout le monde s'y conforme, mais que c'est une norme. On peut donc choisir soit de la respecter, soit de l'ignorer, encore une fois en fonction des buts que l'on cherche à atteindre. Je vous donne un exemple très bête. Dans la bonne société bourgeoise française, on ne lit jamais les classiques, on les relit. Qu'est-ce que ça dit ? Un jour, j'avais sur mon bureau du côté de chez Swan, et un collègue qui passait m'a dit en le voyant, « Ah tiens, tu relis la recherche !» Je ne l'avais jamais lu, mais je ne l'aurais jamais avoué, je dois le dire. Oui, je l'ai relu, je l'ai lu en prépa, comme tout le monde, comme tous les gens bien. Mais ça peut également être une façon volontaire de faire perdre la face. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas encore lu, c'est que tu ne fais pas partie du même monde que moi. Donc on peut mettre quelqu'un dans une situation d'infériorité socio-culturelle ou dans une situation d'infériorité linguistique. Par exemple, dans le cadre du bilinguisme, on peut choisir d'exclure quelqu'un en parlant une langue dont on sait que la personne ne la connaît pas. Dans l'aristocratie anglaise, on disait, quand on voulait se dire des choses importantes, pas devant les domestiques. Parce qu'évidemment, on parlait français dans la bonne société, contrairement aux domestiques. Dans la bourgeoisie hongroise, on a exactement la même chose. On disait « nicht vor dem Kind », parce qu'on parlait allemand dans la bonne société hongroise. Donc si on voulait se dire des choses d'adulte et que les enfants étaient là, on disait en allemand, pas devant l'enfant, puisqu'on considérait que l'enfant ne parlait pas, ne maîtrisait pas encore l'allemand. Je vous donne un dernier exemple plus proche de nous. Vous connaissez peut-être l'humoriste YouTube Norman fait des vidéos. En 2012, il a publié une vidéo qui s'intitulait « Les bilingues ». Sur toutes les représentations du bilinguisme en France, notamment du bilinguisme français-anglais, et comme il est malvenu. Et à un moment dans cette vidéo, il se fait passer pour un bilingue indécrottable qui lit le mode d'emploi de nous et instantané, et donc avec un accent, vous savez, cet accent pseudo-américain très nasalisé qu'on adopte quand on veut imiter les Américains, il dit « Boiling hot water for 5 minutes and then let's see », quelque chose comme ça. Et lui dit « Excuse-moi, je comprends pas. Ah bon, mais pourquoi ? Parce que je parle pas anglais. » Et le bilingue répond « Tu parles pas anglais ? Mais c'est génial !» Donc ça, c'est faire perdre la face à quelqu'un, c'est le mettre devant son infériorité linguistique, et on est très fréquemment confronté à ça en France, avec notre mythologie monolingue. On a un rapport très problématique, très angoissé aux langues étrangères, et notamment à l'anglais, d'où encore une fois les débats sur la place des anglicismes. Et ce, notamment parce que l'identité sociale, elle résulte en partie de comparaisons entre ce qu'on appelle en anglais les « in-groups », ceux qui font partie de votre groupe, et les outgroups, ceux qui n'en font pas partie. En d'autres termes, une personne construit son identité non seulement en faisant sien les lieux communs partagés par le groupe, mais également en se servant de l'autre comme d'un repoussoir.
Ce que la personne n'est pas la définit tout autant que ce qu'elle est. D'où notamment la glottophobie, ce qu'on appelle le linguicisme, c'est-à-dire l'exclusion de l'autre de par la langue qu'elle parle, l'insécurité linguistique. Je vous ai mis un exemple de quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours aux États-Unis. La toute nouvelle Representative Alexandria Ocasio-Cortez, représentative pour l'État de New York, parlait devant un public majoritairement africain-américain, et on s'est aperçu, ses opposants, qu'elle affectait ce qu'on appelle le « southern drawl ». Donc elle avait un accent du Sud très prononcé, alors qu'elle vient de New York. Accent du Sud que certains associent souvent à la façon dont les Africains-Américains peuvent parler. Et donc on l'a accusée d'avoir changé son accent pour parler à cet auditoire. Ce qu'on peut appeler parfois le « black scent », composition entre « black » et « accent ». Cette idée que certains pensent qu'il est obligatoire de modifier son accent pour s'adresser à un public africain-américain. C'est un débat qui est récurrent aux États-Unis, pas que pour les communautés africaines-américaines par ailleurs. Prenez Hillary Clinton. À chaque fois qu'elle passe au sud de la ligne Mason-Dixon, elle reprend un accent du sud. Et on l'a beaucoup critiqué pour ça. Pourquoi ? Parce que donc, chez les bilingues, on a justement cette distinction très importante entre ce qu'on appelle le « we code » et le « they code ». C'est-à-dire que on va choisir d'utiliser tout son répertoire linguistique, ou pas, en fonction du degré d'adaptation de ce répertoire aux personnes auxquelles on s'adresse. Quand Hillary Clinton, qui a quand même passé des années dans l'Arkansas, décide de reprendre son accent du Sud, est-ce que c'est parce qu'elle veut paraître plus proche? Est-ce que c'est parce que c'est naturel? Est-ce que c'est un calcul? Qu'en pensent les gens concernés et qu'en pensent les gens non concernés? Et donc c'est là que c'est extrêmement important, parce que nos choix linguistiques sont des actes d'identité. En fonction du regard de l'autre, l'alternance codique, le fait de changer de langue, peut être perçu soit comme un outil de communication non problématique, soit comme un acte identitaire destiné à exclure ou à véhiculer une forme de supériorité linguistique. Et donc les situations bilingues, elles peuvent être comparées à des lieux où affleurent, où se négocient les processus de construction de la communauté. Elles rendent tangibles les stratégies des uns et des autres de communication. Et alors ça se trouve dans ce que l'on appelle la théorie de l'accommodation. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'adopter une stratégie de convergence envers votre auditoire, c'est-à-dire de parler d'une façon qui se rapproche de la façon de parler de votre auditoire. Et ça peut permettre de paraître plus attractif, plus prévisible et plus impliqué dans les relations interpersonnelles. Hillary Clinton en a fait les frais pendant sa dernière campagne, puisqu'elle essayait de courtiser le vote des communautés hispanophones. Ça a créé une petite tempête en 2015, quand une de ses staffers a créé une page qui s'intitulait « 7 things Hillary has in common with your abuela », avec votre grand-mère. L'abuela étant une figure justement culturelle, stéréotypique des communautés hispanophones aux États-Unis, ça a très mal été reçu, puisqu'on l'a accusé de faire ce qu'on appelle du « hispandering », encore un mot valise, hein. « Pandering to the Hispanic communities », c'est essayer de courtiser le vote des communautés hispanophones, notamment parce que Hillary Clinton est un pur produit de l'élite dominante aux États-Unis. C'est d'autant plus paradoxal que cette campagne a été créée par une staffer qui était elle-même d'origine hispanique. Et ça a créé un problème, parce que on attribue, dans la théorie de l'attribution, on évalue toujours les motifs et les intentions qui mènent quelqu'un à choisir une stratégie ou une autre. Si je me mets à parler avec un accent du Sud, pourquoi est-ce que je le fais? Dans les campagnes politiques,
on va toujours se dire ben, c'est pour courtiser un vote, ce n'est pas naturel du tout, c'est complètement artificiel. Et au rebours de l'accommodation, de la convergence, on a ce qu'on appelle la divergence. C'est-à-dire, au contraire, choisir de ne pas parler comme son interlocuteur, ou ne pas choisir. Et dans ce cas-là, on se pose la question, si cette personne ne parle pas comme moi, pourquoi ? Est-ce que c'est un choix qu'elle fait ? Est-ce qu'elle veut me faire perdre la face ? Est-ce qu'elle ne peut pas parler comme moi ? Et dans ce cas-là, chez les bilingues et les biculturels, ça pose la question de l'assimilation incomplète. Celui qui ne parle pas la même langue que moi, c'est l'autre. Mais celui qui parle à la fois ma langue et une autre langue, alors que moi je n'en parle qu'une, ou j'en parle une autre, on ne sait pas nécessairement où s'en tenir avec lui. Prenez les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, c'est peut-être un traître, un agent double. C'est quelqu'un qui a un pied dans deux mondes. Et ça, c'est quelque chose qui nous gêne et qui gêne même les bilingues parce qu'on se dit inconsciemment qu'on devrait pouvoir tout dire dans une seule langue. Pourquoi est-ce qu'une langue ne permettrait pas de tout dire ? Et donc, si on a besoin d'alterner, ça ne doit pas venir de la langue puisqu'une langue permet de tout dire, donc ça doit venir de moi. Donc, j'ai peut-être un problème. Et ça, ça mène à des situations d'insécurité linguistique et ou culturelle. Et ça, c'est toujours très vrai aujourd'hui. Le multilinguisme demeure la cible de nombreux discours négatifs, notamment dans des pays à forte mythologie monolingue, tels que la France ou les États-Unis. En dépit de décennies de recherches universitaires, le multilinguisme demeure aujourd'hui beaucoup vu comme quelque chose d'anormal, d'exceptionnel. Qu'il soit interprété comme une démonstration de capital culturel, regardez, je parle anglais, ou bien comme un refus de s'intégrer, notamment dans le cas des pays à forte population immigrée. En France, par exemple, ça trouve une illustration dans les frayeurs médiatiques récurrentes au sujet de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Vous savez, en 2016, en 2018, on a eu des gens qui ont prétendu que les ministres de l'Éducation voulaient rendre obligatoire à l'école primaire l'apprentissage de l'arabe. Pourquoi est-ce que ce serait problématique ? Eh bien, pas parce que c'est la langue arabe, mais parce que la langue arabe est liée à cette peur qu'ont certains de la culture qu'elle véhicule derrière. Ça se trouve aussi dans les cas fréquents d'enseignants qui peuvent demander à des parents d'élèves d'arrêter de parler à leurs enfants deux langues. Ça peut partir d'un sentiment bienveillant. Attention, vous allez mener à des confusions. Parce qu'on a l'impression que le bilinguisme soit ne serait pas soluble dans certaines sociétés, soit serait trop difficile pour nos cerveaux. Alors, ça peut être illustré dans le concept de domaine d'emploi d'une langue qui a été théorisé par Fishman. Un domaine, ça implique des interactions typiques entre des participants typiques dans un cadre typique. Et donc, des locuteurs multilingues vont souvent se trouver à cheval entre plusieurs domaines et représenter une altérité potentiellement menaçante. Donc vous allez avoir des significations, et des stigmates sociaux associés au contact des langues qui vont avoir un rôle à jouer dans l'invisibilisation de certaines communautés. Je vous donne un exemple. Vous savez combien de personnes à peu près déclarent qu'elles ont grandi dans un foyer multilingue en France ? À peu près ? En pourcentage de notre population ? 25%. Un Français sur quatre qui a grandi dans un foyer multilingue. C'est quand même surprenant pour un pays dont on dit qu'il est profondément monolingue. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à invisibiliser le bilinguisme, le plurilinguisme en France. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'altérité linguistique, elle est potentiellement menaçante. Hein, et nul ne le dit mieux que l'homme le plus puissant du monde. Quand il dit « Who cares that Jeb Bush speaks Mexican ?» Vous voyez encore le lien entre culture et langue. Il ne parle pas espagnol, il parle mexicain.
This is America, English. Je ne sais pas qui est le plus menaçant entre l'altérité ou le président ici. Et donc justement, les enfants qui grandissent dans des foyers multilingues font l'expérience très tôt de l'altérité linguistique. Matras dit cette chose très intéressante. The connection between domain or setting separation and language choice eventually becomes part of the child's identity and personality. Donc, dès le plus jeune âge, les enfants qui grandissent au contact de plusieurs langues apprennent justement ce qu'est l'altérité linguistique. Ils apprennent ce qu'est le choix linguistique et la séparation en fonction du domaine. Ils apprennent très tôt la nécessité d'accommoder son public. Un enfant multilingue va très rapidement apprendre dans quel contexte, dans quel domaine il peut déployer toute sa compétence linguistique. Par exemple, avec papa et maman, si les parents parlent chacun une langue. Ou bien, à l'école, dans certaines écoles, se cantonner à une langue, sinon risquer d'être vu comme différent. Et donc la gestion des interactions, c'est une partie intégrante de l'acquisition des langues en contexte multilingue. Ça devient véritablement une culture de l'être bilingue, apprendre à gérer ses langues. Donc, l'être bilingue, en fait, c'est un domaine au sens de Fishman. Vous avez les domaines monolingues, le domaine par exemple en français, le domaine monolingue en anglais, et le domaine être bilingue, où les langues peuvent se rencontrer, où un bilingue peut faire emploi de toutes les ressources linguistiques qui sont à sa disposition. Là où c'est problématique, c'est que l'Occident notamment n'a plus une macroculture du multilinguisme. Il s'en est débarrassé en France, avec la Révolution notamment, avec l'école de la Troisième République, en Espagne sous le franquisme, qui faisait du monolinguisme une vertu civique. Mais cela n'empêche pas, heureusement, que la macroculture monolingue est traversée par des microcultures à la fois multilingues et multiculturelles. Et donc ça, ça pose la question absolument fondamentale de la représentation dans l'espace public et dans l'espace intime de ces identités. Si je me définis comme multiculturel, comme multilingue, quelle est ma place dans les représentations culturelles dominantes? Ma place en tant que personne, ma place en tant que membre d'une communauté. Je vous donne l'exemple du Pays de Galles, où le gallois a fait l'objet de beaucoup d'interrogations depuis des années. Vous avez Mont Thomas qui dit que même si les attitudes dominantes aujourd'hui envers la langue galloise sont relativement positives, que les Gallois comprennent pourquoi c'est important et comprennent que le bilinguisme est positif, a des effets bénéfiques, eh bien, même ces personnes qui le savent, dans leur comportement de tous les jours, vont pouvoir avoir des comportements justement qui ne représentent pas, bien au contraire, ces savoirs. Là, c'est un exemple de dissonance cognitive. On peut avoir des représentations rationnelles, intellectuelles, informées, et pourtant un comportement qui s'en éloigne. Et je vous donne un exemple personnel et vraiment très bête. Même moi, qui étudie ces questions depuis maintenant 15 ans, qui ai grandi en parlant anglais et français, qui élève un enfant en français et en anglais, encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des réflexes de monolingue vraiment puissamment enracinés dans cette représentation culturelle où c'est le français qui domine et le multilinguisme n'a pas forcément sa place. Donc c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, qu'il faut expliciter à tout moment, notamment parce que chez les enfants, ces questions, elles sont là, elles sont toujours présentes. Et elles peuvent être source d'interrogation, voire de rejet, puisque la langue est vécue comme un symbole identitaire. Et alors, elle peut venir, par exemple, à identifier quelqu'un que l'enfant rejette. Par exemple, lors d'un conflit avec un parent. Elle peut également être rejetée parce qu'un enfant sent que cette langue, elle est minoritaire, et que tout le monde autour de lui parle une autre langue. Et donc, bah, pourquoi,
pourquoi s'embêter à faire des efforts si je sais que mon père, qui s'évertue à me parler anglais, comprend très bien le français et que je me sens un peu fatigué, bah, je vais parler français. Pourquoi pas ? Donc si un enfant cesse brusquement de parler une de ces langues, ça peut être potentiellement l'indicateur d'un conflit au sens de ses représentations culturelles. Et ça, notamment, c'est parce que l'enfant a ce qu'on appelle un instinct interactionnel, c'est-à-dire une nécessité quasi biologique de s'attacher aux autres, de chercher l'interaction verbale avec les personnes qui s'occupent d'eux, mais également les personnes qui les entourent, pour devenir des locuteurs compétents. Et là-dessus, Lee et collègues qui développent cette théorie de l'instinct interactionnel disent que les structures du langage émergent de schémas interconnectés d'interactions sociales, d'expériences et de mécanismes cognitifs. Tout est lié. Et c'est d'autant plus important en situation de bilinguisme hors sol, en quelque sorte, c'est-à-dire les situations où le bilinguisme n'est pas la norme, a fortiori les situations où le bilinguisme est mal vu, d'où l'importance de créer une bulle représentationnelle d'interaction positive. Ça, notamment, ça se retrouve dans le fait que les bilingues et les personnes biculturelles, elles s'interrogent, doivent s'interroger pour forger leur identité sur la façon dont elles sont perçues par les membres des cultures diverses auxquelles elles appartiennent. Est-ce que dans mon identité franco-américaine, par exemple, les Français m'identifient comme Français ou comme Américain ? Ou est-ce qu'ils m'identifient comme franco-américain ? Quid des Américains ? À partir de ces différents regards, comment est-ce que moi, je m'identifie ? Grosjean rappelle qu'il est très rare que les biculturels reçoivent d'autres personnes le message que, justement, ils sont à la fois, par exemple, de culture américaine et de culture française. Notamment parce qu'on a une vision monolithique, au sens fait d'un bloc, un objet d'un bloc, d'un seul tenant, à la fois de la langue et de la culture, et ça, c'est notamment influencé par le concept de pureté. La pureté linguistique, l'idée que le français, par exemple, est pollué par les anglicismes, et ça, tout ça provient de discours, de représentations de la langue qui sont traversés par, ce que je disais au début, des dimensions idéologiques. Tout un système de croyances, de valeurs, de normes. Je vous donne un exemple qui est vraiment très simple, c'est par exemple la faute de français. Vous savez, à l'école, on fait des fautes. La faute, ça tient du domaine du péché. On ne fait pas des erreurs, on fait des fautes. Non, il faut arrêter. Je ne suis évidemment pas le premier à le dire et à le relever, mais on l'entend encore beaucoup. Une erreur, tu t'es trompé de temps dans le verbe, c'est pas grave. Une faute, c'est du domaine moral. Donc il faut dépasser ça. Passer d'une identité monolithique X ou Y à une identité hybride, plurielle, qui puisse être X et Y. Et Cost, Moore et Zarat ont cette définition qui est vraiment importante. Il faut passer au-delà de la superposition, de la juxtaposition de compétences toujours distinctes. Au contraire, il faut aller vers les identités composites, les identités plurielles, complexes, hétérogènes, qui incluent des compétences singulières, voire partielles. Ce n'est pas grave d'avoir des compétences partielles, mais qui est une en tant qu'un répertoire disponible pour l'acteur social concerné. Et donc, là-dessus, en conclusion, une langue, c'est un système sémiotique, un système de signes qui dit non seulement le monde, mais qui l'interprète. Elle n'est pas neutre. Elle interprète le monde et les relations interpersonnelles. Ma langue, mes langues, elles créent, elles disent mon lien, mes liens au monde qui m'entoure, mais également aux miens, aux communautés
dont je fais partie. Et ça, c'est vraiment très important. Nous avons tous des identités plurielles. Le bilinguisme, le multilinguisme, ça n'en est qu'un exemple plus visible que d'autres, plus audible que d'autres. Mais nous sommes tous pluriels, il faut absolument le conscientiser, il faut absolument l'expliciter pour l'apaiser, pour en évacuer toutes les angoisses qu'elle crée. Et ça, ça nécessite donc constamment la verbalisation du fait que c'est normal, l'attention des parents, des équipes enseignantes. Le soutien, c'est vraiment un mot-clé qu'on ne répétera jamais assez. Pour faire un petit bilingue épanoui, il faut du soutien, du soutien, du soutien, du soutien, de l'attention, des modèles positifs à imiter, de la motivation. Il faut dépasser tous les discours angoissants sur le monolinguisme, sur le bilinguisme, qui serait trop dur à acquérir. Non, notre cerveau a évolué, tous les linguistes s'accordent pour le dire aujourd'hui, notre cerveau a évolué pour parler deux langues. Et je vous rappelle que le bilinguisme, chez les humains, est la norme. Il y a plus de bilingues que de monolingues, et ça, il faut le verbaliser en permanence. Le bilinguisme et le biculturalisme sont des normes. Ça n'a pas besoin d'être un grand écart. Je vous ai pris un grand ambassadeur de la cause du bilinguisme, qui est Jean-Claude Van Damme. Voilà, vous riez, mais pourquoi riez-vous? Jean-Claude Van Damme fait ce que tous les bilingues font. Il mélange les langues. Hein. Le grand écart, ça ne vient pas malheureusement avec le bilinguisme. Je conclurai sur ce proverbe tchèque qui est magnifique. Apprendre une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme. On vit paradoxalement dans une époque de repli identitaire en Europe, aux États-Unis, alors que les brassages interculturels n'ont jamais été aussi intenses. Il faut se défaire des discours sur la pureté de la langue, la pureté de la culture. La langue, la culture, ce ne sont pas des objets, ce sont des processus que nous réinventons en permanence, que tout le monde a le droit de réinventer. Donc à nous de donner à nos élèves et nos étudiants et nos enfants l'espace nécessaire pour hybrider, pour déployer toute leur identité en toute confiance, en tout moment. Merci. Alors, je suis désolé, j'ai dépassé un peu le temps imparti, mais si vous avez des questions... Super. Alors, moi, ça n'est pas une question, mais c'est une fin, une chute. C'est que Norman, finalement, a découvert qu'il était bilingue ch'ti. Oui. Oui. Et, mais vous voyez, ça parle aussi à nos représentations intégrées. Le bilinguisme français-anglais, c'est prestigieux. Parler ch'ti... Dans nos représentations inconscientes collectives, le ch'ti n'a pas le même prestige que l'anglais. Bon, certes, il n'a pas forcément la même utilité sur le marché du travail, mais on peut aussi peut-être essayer d'arrêter de tout voir à l'aune du marché du travail. Bonjour, Roger Pillion, secrétaire général de la mission laïque. Je voulais juste faire observer que le président Macron a franchi un pas dans la position officielle par rapport à la langue française et à la francophonie. Dans son discours du 20 mars de l'année dernière, ce n'était plus un discours pour la promotion de la langue française dans le monde, c'était aussi... pour le plurilinguisme. Absolument. Et c'est un pas qui est franchi, par ailleurs, effectivement, comme vous l'avez dit. C'est un pas dans le bon sens, à mon avis. Merci.
Oui, bonjour, Jean-Michel Meigs, proviseur à Tripoli et angliciste il y a quelques années, donc tout ça me parle beaucoup. Vous avez mis en avant, et je crois que personne dans la salle ne peut redire quoi que ce soit, le côté simpliste qui est promu actuellement par le président des États-Unis. Alors si j'essaie de me faire l'avocat du diable, est-ce que dans un pays multiculturel tel que le sont les États-Unis par définition, est-ce que l'objectif politique, je parle vraiment si tant est que cela soit rationnel, pourrait être justement d'essayer de garder un ciment par rapport à ce pays qui est une mosaïque, chacun le sait. Oui, alors effectivement, on peut se placer de l'autre côté et dire que la langue fait nation, la langue est un symbole qui unit, donc parler anglais, pour les populations nouvellement arrivées, on peut considérer que c'est s'inscrire dans cette culture états-unienne, mais on peut aussi considérer que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire que les gens qui parlent espagnol peuvent aussi apprendre l'anglais sans avoir à abandonner l'espagnol. En fait, on est vraiment chez Trump, et de manière plus générale, souvent dans les courants de pensée qui l'ont inspiré, je pense notamment à Schlesinger, qui disait que le bilinguisme fermait les portes. Et là, c'est très clair, ce n'est pas seulement le fait de parler une autre langue que l'anglais qui est vu de façon négative, c'est même le bilinguisme. Schlesinger, en 91, a dit très clairement « il y a un lobby bilingue qui essaye d'imposer sa vision du monde aux États-Unis, c'est mal parce que le bilinguisme ferme les portes, il conduit à la ghettoisation. » Sur le plan scientifique, on lit ça, la mâchoire tombe par terre. Mais il faut bien faire la différence entre ne pas être capable de communiquer dans un pays dans lequel on vit parce qu'on n'a qu'une seule langue à sa disposition, ce qui est quand même un état de fait, à mon avis, assez rare, et maîtriser, au contraire, deux codes linguistiques tels que l'anglais et l'espagnol, et les républicains, pas tous, mais un certain nombre, ont beaucoup tendance à essayer de mettre ça sur le tapis du « soi-soi » plutôt que du « et ». Bonjour, Madame Cambos, je suis professeure d'espagnol en France, en Bourgogne. Pour continuer sur les États-Unis, vous pensez quoi du Spanglish ? Dans quel sens ? Eh bien, comme on n'en a pas parlé, vous avez parlé de ou espagnol ou anglais, mais sauf qu'il y a un phénomène depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, aux États-Unis évidemment, mais aussi à Sydney en Australie, du Spanglish, donc une fusion, c'est une nouvelle langue, entre deux langues, des anglicismes, des hispanismes. Comme en termes de pensée et la langue dit ce qu'on pense. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Alors, le Spanglish comme nouvelle langue, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est clairement un artefact culturel qui permet à des millions de personnes de se retrouver dans un nouveau code partagé, très décrié aux États-Unis, justement, par les communautés en général votant à droite du camp républicain, alors qu'au contraire, c'est un atout, c'est se servir de la richesse linguistique à sa disposition, et malheureusement, en quelque sorte, on peut considérer que ça met au pied du mur des populations qui n'ont pas à leur disposition ce double répertoire linguistique. Est-ce qu'on peut reprocher à des gens qui ont grandi en parlant deux langues, de se servir de ce double répertoire? Je pense que ce serait très malvenu de le faire. Et à mon sens, le Spanglish est une richesse américaine qui n'est pas nouvelle du tout. C'est quand même le pays du Tex-Mex. Si ça, ce n'est pas du Spanglish, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais finir sur une anecdote. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années maintenant, des communautés hispanophones avaient écrit une version de l'hymne américain, The Star Spangled Banner, en espagnol, disant, ben voilà, c'est notre culture partagée. Nous sommes à la fois américains et hispanophones,
nous ne devrions pas avoir à choisir. Quelle a été la réaction du président George W. Bush à l'époque? Il a dit « c'est pas possible ». Il a dit « the American anthem should be in English ». Donc, encore une fois, Spanglish, artefact culturel, qui est une fierté pour certains, et qui est aussi un motif d'angoisse pour ceux-mêmes qui le parlent. Et c'est ça, c'est là où la chose devient grave. C'est que, dans beaucoup de cultures, chez les bilingues, le bilinguisme est une source d'angoisse, parce qu'ils intériorisent les discours normatifs et négatifs sur ça. Encore une fois, sur cette prétendue pureté des langues et des cultures qu'il faudrait, vers laquelle il faudrait tendre. Donc Philippe Dietz, je viens de Palo Alto en Californie, donc un pays, comme vous l'avez décrit, unilingue, mais très paradoxal. En Californie, comme dans beaucoup d'États, on passe son permis de conduire en 10-12 langues pour valoriser justement les langues et cultures des immigrants. Il y a un élément intéressant dans votre discussion, c'est le bilinguisme. On parle beaucoup aux États-Unis aujourd'hui de code switching. Des enfants bilingues, effectivement, qui vont utiliser leurs deux langues. Moi, je suis le père d'un enfant qui est bilingue, qui se croit américain, mais que tout le monde trouve très français. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, les expressions que l'on connaît tous, la balle est dans ton camp, pour lui, sa balle en anglais, elle est dans son camp et pas dans son cours, comme on le dit en anglais. Donc le code switching, qu'est-ce que vous en pensez en termes de l'évolution de ce bilinguisme, justement, où on commence à avoir des élèves qui vont manier deux langues correctement, mais les mélanger, pas au sens spanglish, mais vraiment au sens de l'intérêt. C'est une forme d'hybridation et d'évolution de la langue. Alors, tous les bilingues alternent, depuis toujours, partout. Il faut vraiment se décomplexer par rapport à l'alternance codique. Ça ne mène pas à de la confusion mentale. Au contraire, c'est faire usage de toutes les ressources linguistiques à sa disposition. Ça peut mener à de l'humour bilingue, qui est extrêmement fréquent. Ça peut mener effectivement à des constructions qui sont hybrides, qui sont à cheval. Effectivement, dans l'alternance codique, on a beaucoup, souvent, d'expressions translinguistiques, où on prend par exemple le schéma d'une expression toute faite en français, mais on met dessus les mots de l'anglais. Du moment que c'est compréhensible, pour moi, ça ne pose aucun problème. Et par ailleurs, on peut très bien s'exprimer de façon parfaitement compréhensible en se trompant ici ou là. Enfin, je cherche... On peut appliquer pour une position et remplir une forme. Deux enfants bilingues, anglais-français, vont se comprendre. Oui, hein, et... absolument. Absolument. Éric Thuot de Seattle. Bon, dans votre propos, c'est donc le bilinguisme, biculturalité. Et donc, qu'est-ce qui, d'après vous, peut engendrer qu'une culture devient dominante par rapport à une autre pour les enfants bilingues, à des moments particuliers? Je pense notamment dans des familles où on exprime des émotions dans une langue plutôt que dans une autre. Alors, très pragmatiquement, il y a la question de ce qu'on appelle l'EMPOT, donc la langue majoritaire dans laquelle l'enfant est baigné. Ça va vraiment avoir un effet important, s'il y a un déséquilibre, évidemment. Vous allez avoir justement les représentations culturelles qui sont attachées aux langues. Je vous donne l'exemple des enfants qu'on dit issus de l'immigration. Est-ce qu'il y a valorisation de la culture d'origine ou pas? Je voulais vous donner un exemple qui m'échappe, je suis désolé, mais la domination plutôt, dominance, peut être causée par des facteurs qui sont très pragmatiques, déséquilibre entre une langue et l'autre en termes d'heures d'exposition, ou déséquilibre entre les valeurs positives que l'on attribue à l'une ou l'autre langue. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bonjour, Tariq Sami, référent de la langue arabe à l'OSVI, au Maroc.
Ça tombe bien ou mal, mais la question que je voulais poser, en réalité, elle vient d'être posée par le collègue. Elle concerne les alternances codiques, donc les code switching. Mais pour la prolonger un petit peu, en classe, je me suis toujours posé la question sur ces alternances, qu'elles soient programmées ou non programmées. Bon, pour ce qui relève du non programmé, bien sûr, on essaie de travailler avec les élèves, et ça dans le domaine des langues, bien entendu. Des fois, on programme ces séquences d'alternances codiques, car elles sont importantes pour développer des capacités pragmatiques chez les élèves en termes de reformulation, de synthèse, de médiation, une notion importante dans les nouveaux programmes. Mais la question que je me pose, est-ce que ça ne se fait pas au détriment d'un certain nombre de capacités méthodologiques, notamment quand il s'agit de contenu disciplinaire? Lors d'une formation, j'ai découvert par exemple que la poussée d'Archimède, on ne l'aborde pas de la même manière en espagnol et en français. Des questions qui relèvent par exemple de la manière d'exposer, faire un exposé, comment on le fait en français, en anglais, en arabe, etc. Vous-même, vous l'avez évoqué lors de votre préambule. Donc ce sont des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse et je voudrais savoir ce que vous en pensez, si possible. Alors, ce que vous dites me fait penser à quelque chose que je lisais récemment dans un livre de Baker, qui est un des grands spécialistes de la question de l'éducation bilingue, sur le fait justement que dans l'éducation bilingue, il faut toujours faire attention à ce que les représentations liées à chacune des langues ne viennent pas favoriser un déséquilibre. Par exemple, une langue deviendrait la langue de la science, et l'autre, la langue de la poésie. Enfin, je dis n'importe quoi. À mon sens, ça peut au contraire être une richesse pédagogique si c'est, encore une fois, verbalisé et conscientisé. On ne fait pas une dissertation à la française comme on écrit un essay à l'américaine. Et tout comme manier deux langues peut permettre d'enrichir la communication, manier deux systèmes, du moment que c'est qu'on a des retours dessus, que c'est conscientisé, que c'est construit dans un projet structuré, ça peut aider à la compréhension, à la transmission des contenus, puisque justement, ce sont deux façons différentes de dire la même chose. La poussée d'Archimède reste la même en espagnol et en français, mais son introduction peut passer par différentes modalités. À mon sens, d'après ce que j'ai lu sur la question, ça peut, au début, être un peu beaucoup, parce qu'on est quand même dans une situation où l'enfant est confronté à une masse de nouveaux savoirs qui est colossale. Mais c'est la même chose dans l'éducation monolingue. Donc, à partir du moment où ça vient, où c'est structuré, conscientisé, verbalisé, je ne pense pas que ce soit un problème. À mon avis, ça peut être même un atout. Merci. Bonjour, Hubert Boutin, ancien IAIPR de lettres et ponctuellement chargé de mission pour la mission laïque. On n'a pas évoqué, mais c'est un sujet qui me tourmente parfois, c'est ce qu'on on pourrait appeler une nouvelle langue, c'est la langue des sigles et des acronymes. J'en parle parce que me vient immédiatement un souvenir lorsque nous sommes entrés à l'école supérieure des cadres de l'éducation nationale, à l'ESN ou ancienne SPEMEN, on nous a tous immédiatement remis une sorte de dictionnaire des sigles utilisés à l'intérieur de cette grande maison. Et il y a effectivement des sigles, des acronymes qui existent maintenant dans chaque maison. Mais c'est une langue montante, presque invasive, extrêmement discriminante, qui est également pluri ou multilinguiste, c'est-à-dire international ou pas, mais voilà, que pensez-vous de ce statut particulier de cette langue? Je pense effectivement qu'elle peut être discriminante au sens où c'est un culturem, hein, qui appartient à un petit groupe. Pour vous donner un exemple très bête, au congrès de Deauville, quelqu'un m'a dit on va aller voir le DGESCO.
Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, je ne faisais clairement pas partie du groupe. Après, que ce soit un acronyme ou autre chose, il y a un processus d'acculturation qui va faire ou pas qu'on va se retrouver à le manier très simplement. Enfin, aujourd'hui, qui pense... Enfin, c'est tout ce que c'est qu'un PDG, un CD, un MP3. Ça ne pose pas de problème du moment qu'ils sont utilisés suffisamment souvent. C'est exactement la même chose pour les anglicismes. Qui se souvient aussi que paquebot, budget, redingote, sport sont des anglicismes ? C'est une question d'acculturation. Alors, qu'ils deviennent de plus en plus fréquents, il faudrait voir des statistiques, mais j'ai souvenir d'un chef-d'œuvre du cinéma des années 80 qui était Le Flic de Beverly Hills, dans lequel il y avait justement un point d'humour là-dessus, puisqu'un des personnages se présentait comme étant le DDOJSIOC. Il était très fier de ce titre, et tout le monde disait « Le quoi ?» Donc, voilà, c'est pas forcément nouveau. À partir du moment où c'est repris suffisamment, ça devient moins discriminant, mais ça peut effectivement être employé comme un code secret pour exclure, comme le bilinguisme, mais comme aussi des registres soutenus de langue, par exemple. C'est un code comme un autre, à mon sens. Merci. Merci. Merci à Charles Brazard qui, je rappelle, il l'a rappelé pour Deauville, travaille effectivement avec nous. C'est une grande disponibilité, une grande aide. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous-mêmes.